Baissons la tête, prions. Tant de Père, nous voici réunis devant ta face ce soir. Je prie au Dieu de gloire que tu nous parles ce soir et que tu fasses au Dieu de gloire de nos cœurs ton tabernacle et de notre vie ton parfum. Je prie Dieu de gloire que cette vie qui est ton parfum soit agréable à toi. Que chaque vie soit un sacrifice pour nous, au Dieu de gloire, qui t'est agréable. Et que tout ce que nous offrons comme fruit de nos lèvres te soit agréable. Seigneur, ne détourne point ton oreille, au Dieu de gloire, au bruit de notre prière, ni au son de notre cantique. Donne-nous, au Dieu de gloire, des mains puies afin que nous l'élevions vers toi pour obtenir grâce devant ton trône. Et je prie, au Dieu de gloire, pour nos frères, pour nos sœurs, pour celles qui sont ici et ailleurs. Je prie, Père de gloire, que tu appliques, au Dieu de gloire, la loi de ta miséricorde dans chacune de nos vies. Car sans cette miséricorde, Père de gloire, nous ne pourrons subsister. Je prie au Dieu de gloire que ta miséricorde parle plus que les condamnations de l'ennemi dans nos vies. Je prie, Père de gloire, que toute parole d'imprécation déposée par l'ennemi dans nos vies, Seigneur, n'ait aucun effet au-devant de toi. Et je prie au Père de gloire pour tous ceux que tu m'as donné sur cette terre, au Dieu, qui m'écoute maintenant, qui écoute cette voix. Je prie, Père de gloire, que tu ne permettes pas à l'ennemi, Père de gloire, de les cribler. Je prie que tu les soutiennes, Père de gloire, dans les moments difficiles, afin qu'ils parviennent jusqu'à ces jours-là, le jour où on va crier tous ensemble, Alléluia, à celui-là qui est assis sur le trône. Je prie, Père, que tu leur accordes là au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Saluez-vous donc. Là, les uns, les autres, touchent assis gentiment. Je vous aime. Je vous aime, mes frères. Amen. Je vous aime. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Amen. Et même si vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime quand, quand même. Il y a une seule loi, il n'y a pas une seule loi dans la Bible qu'on dit qu'on doit aimer Satan. Vous avez vu qu'un verset, un verset comme ça? Donc, il n'y a pas la loi pour l'aimer. Il n'y a non plus la loi pour le détester. Donc, avec Satan, je suis neutre. Je suis neutre. Je ne l'aime pas, je ne le déteste. Qu'il reste à sa place. Mais vous, si vous me détestez, moi, je vais vous aimer. Qui était ici? Je ne sais pas dans quel enseignement on avait parlé. C'est une fois, quand je pense, vous voyez, quand il pense seulement à cette chose, si mon corps commence à frémir de la même chose qui est dans cette vision. Je ne sais pas quel jour, l'année passée ou bien l'année passée, j'avais parlé ici que je me suis tenu quelque part dans une industrie. On faisait des choses comme les femmes, qui remplacent des femmes. Qui était ici en assemblée? Donc, parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez écouté ça quand j'avais dit ça ici? C'est dans quel enseignement nous traitions de quoi ces jours-là? Cette année-là. Et si, donc, si vous trouvez cet enseignement-là, faites-moi savoir. Mais je suis ici. Si vous savez, je n'aime pas parler. C'est l'une des visions que je n'aime pas parce que ce qui est vu là-bas, c'est l'une des choses terribles. Ça, s'il y a bassesse, c'est ici. Et vous avez dit ça, c'est que je suis tenu là-bas, je ne voulais même pas parler. Même maintenant, en parlant, c'est la même chose, mais c'est que quand je suis tenu là-bas, j'ai vu faire qu'ils ont fait ces choses. Je dis ceci. Et maintenant, regardez très attentivement. J'ai dit, ce que j'ai regardé dans cette vision, c'est que ça. Les footballeurs prisaient ces choses-ci. Et quand ils étaient en train de regarder, mais pourquoi les footballeurs y vont? J'ai remarqué que la majorité des footballeurs n'étaient pas mariés. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour avoir ce mot-ci en français. Genuinely, j'aimerais trouver l'équivalent de ça en français. Vous savez, il y a des mariages authentiquement authentiques de Dieu. Il y a des mariages par arrangement, on arrange tout simplement comme ça. La grande majorité des footballeurs sur la terre ne sont pas mariés selon Dieu. C'est terrible de le dire. Et par conséquent, ça va amener des couacs dans leur mariage. Et quand ça amène des couacs dans leur mariage, ça entraîne automatiquement leur fortune. Et donc, quand ça va attaquer leur fortune, les gens commencent à comprendre qu'au lieu d'aller vers les femmes, nous, on va vers les poupées. On en allait dans une décadence terrible, frère. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu dans cette vision, je crois que nous ne parlons même pas de cela. Vous avez vu ça sur la scène, n'est-ce pas? Maintenant, voici quelque chose qui est créé sur la terre. Écoutez très attentivement. Je vais dire quelque chose et puis je vais dire encore quelque chose qui est en train d'arriver. Écoutez maintenant bien. Je me place devant vous ici pour dire ces choses-ci. C'est devant nous encore que je suis en train de regarder. Maintenant, avant cela, j'avais dit quelque chose qui est crié. Là, vous, ici, c'est ma prophétie. Vous savez cela et peut-être certains d'entre vous voyez cela. Il y a un certain style de. Gardez-vous à l'esprit ici. Gardez-vous à l'esprit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Verset 16 et 17. Gardez cela pendant que je vais parler ici, d'accord?
Maintenant, il y a un style de... Je ne sais pas comment vous appelez cela. On met ça sur la tête là comme ça et on épouse un écho de la musique. Vous savez, on met cela comme ça. Ça couvre l'oreille. Il y a... Toute votre attention, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre ces choses, mais je suis obligé de dire ce qu'il y a là-dedans. Et le but pour lequel ça a été créé. Et puis, je dois dire ceci avant de dire autre chose qu'il y a derrière. D'accord? Gardez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17 à l'esprit, pendant que je ne voulais pas parler. Maintenant, regardez. Vous voyez un homme. Seigneur, aide-nous seulement. Vous voyez un homme. Pour montrer qu'il est à l'aise, que c'est un homme qui est aisé, il va acheter le... Vous appelez le téléphone. Vous appelez le téléphone moderne avec Android. Vous appelez Android. Avec tout genre d'options. Et il achète un gadget qu'il attache à ses oreilles. Vous appelez? On attache ici, on porte là, c'est là comme ça là. Son téléphone peut être là, pendant que ça sonne, ça déclenche automatiquement dans ses oreilles. Il est en train de causer, vous le voyez, il a enfilé là. Il est frère. Le père ici, ça montre un style, un modèle. J'arrive, je vous présente d'abord la chose pour vous dire maintenant ce qu'il en a comme problème. Avant de dire ce qui arrive plus tard. D'accord? Gardez ceci et gardez la date. Pour que si l'année prochaine, l'année se passe, quand ça va arriver, quand c'est là devant. C'est là devant. J'arrive ce soir parce qu'il vient encore parler du Cameroun. Je suis en arrivé quelque part. J'espère que ce soir-ci, je vais vous dire la chose un peu plus codée et bien détaillée. Maintenant, écoutez ça très attentivement. J'y vais. Cette personne-ci, quand il va sortir, porte le jean comme papa Joseph. Il enfile ça, vous voyez un peu le bidon là devant. Le gars a le ventre bien respectable. Quand son ventre est bien respectable, il accroche son téléphone au côté du rein. Il a son kit où, frère? Le téléphone où? Petit à petit. Sans s'en rendre compte, les ondes électromagnétiques touchent son cerveau, détruisent son tympan. Et la zone du rein, c'est la partie où 80% des organes vitaux se trouvent. Ils ont trouvé mieux de mettre là-bas. Pour que petit à petit, ça envoie le faisceau lumineux là-bas. Bonjour le cancer de la prostate. Bonjour le cancer. Donc les gens, ils sont frais. Vous voyez, il est bien habillé. Waouh, c'est accroché là. Oui, c'est accroché là, c'est les facilités. Toute facilité de Satan est un poison. Toute facilité de Satan est un poison. Tout ce que vous voyez là qui est en train de dire que non, c'est seulement pour nous faciliter la tâche. Nous voici, nous avons chaud, nous avons froid, non? Nous avons chaud là, la chaleur nous touche. Vous entendez la voiture, c'est climatisé. Waouh! Oui, la climatisation est très bonne. Très, très bonne même. Quand tu t'assois, tu dis, ouf. Ah, mon frère. Ce sont les pauvres qui disent que l'argent n'est pas bien. Vous gardez cette voiture sur la pluie, sur le soleil. Le soleil frappe sur le gaz qui se trouve à l'intérieur comme étant le butane. Avec l'énergie que ça produit du benzène. Vous entrez dans la voiture, vous allumez, ça envoie le benzène dans votre cœur. Vous respirez le benzène dans votre poumon en disant que vous êtes bien. Ce qui frappe sur votre peau, qui vous donne un peu de calmement là-bas, un inversement proportionnel à la maladie que ça vous donne à l'intérieur. Voilà, on en est frais. Ok. Maintenant, voici quelqu'un donc qui peut acheter le chapeau, vous appelez ces choses qu'on met à l'oreille, ça couvre tout son oreille. Et à l'intérieur se trouvent des bandes magnétiques, de quoi ce que vous appelez les mains. Vous savez, vous enlevez la pièce qui va vous amener, la pièce une pièce de monnaie ou bien de l'argent, ça attire. Ça se trouve frais sur ses oreilles. Sur ses oreilles. Maintenant, faites l'expérience, vous autres, et beaucoup de personnes ont ces choses à la maison, ne savent pas ce qui est leur arrivé. Vous avez un écran de télévision comme ça ou bien un écran de votre ordinateur. D'autres personnes vont construire une grande table comme ça, ils mettent un écran de télévision ici, ils achètent une grosse bafle, ils mettent ici de côté gauche de la télévision. Plus tard, ils se rendent compte que la télévision donne une partie, les gens se tordent vers le coin. Ils ne savent pas ce qu'ils ont de tordre les gens au coin comme ça de la télévision. Ce sont ces bafles-là, je suis en train de vous montrer pour que vous compreniez ce qui arrive dans votre corps. Sur cette bafle-ci, c'est que vous voyez, souvent les couleurs sont bizarres dans les zones. C'est le bafle qu'on a mis à côté qui font ces choses-là. Si vous achetez une télévision, vous avez une télévision devant vous-même, l'ordinateur, vous allez jouer une image à l'intérieur, approchez tout simplement les mains. Vous approchez vers l'écran, vous allez voir comment ça va tordre l'image sur l'écran parce qu'il y a des électrons à l'intérieur, des faisceaux lumineux. Maintenant, quelqu'un passe à longueur de journée avec ça dans ses oreilles. Frère, où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on se dirige? Donc maintenant, après la poupée, il y a la lunette qui déshabille. La lunette qui déshabille, ils vont créer cela. Un style de lunettes, quand tu portes, tu vois quelqu'un, même s'il a de l'habit, on voit ta nudité. Ça arrive. C'est ainsi par l'esprit.
Donc, quand on vous dit, vous portez les habits ou ne portez pas, il y a les lunettes qui vont vous montrer votre forme. Ça va entrer dans la joie. Dès le départ, on va présenter ça comme des jeux, comme des choses pour découvrir certaines choses. Parce qu'il faut qu'on trouve toujours l'astuce pour pouvoir présenter la chose comme le plan de face. C'est-à-dire que si tu portes ça comme ça, il te regarde. Le vrai toi, je te vois. La lunette arrive, c'est devant nous maintenant. Voilà ce qu'il en est. Il y a une lunette déshabillante qui arrive. La question c'est, où est-ce que ceci allait nous conduire? Donc tout ceci, c'est des tentatives de perversion des enfants du Seigneur. La lunette déshabillante arrive. La lunette déshabillante arrive. Ne jouez pas comme ça avec le stylo, les enfants, vous pouvez vous faire du mal avec cela. D'accord? Donc, vous voyez, ces personnes-là, ils ont cela. D'autres disent non, quand je veux être calme, je mets mon baf pour me concentrer. C'est la pire des moyens que tu as choisi pour te détruire là-bas. Parce que ça envoie les ondes magnétiques dans ton cerveau. Dans ton cerveau. Petit à petit, un tumeur va se former là-bas. Vous avez l'argent pour vous opérer du cancer? Pour qu'on amène le faisceau lumineux dans votre cœur? Non, ne faisons pas cela. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Vous allez voir quelqu'un dans la nuit, dans l'obscurité, il a son Android. WhatsApp. Toto s'y dérange. Dans la lumière. Et vous voyez dans le après, il appuie ses yeux. C'est le témoignage pour montrer que ses yeux sont en train de recevoir des choses qui ne sont pas bien. La fatigue. La lumière produite par ces ondes-là sont de fatiguer ses yeux. Donc ça t'a fait quelque chose. Pour qu'on détruise notre main, notre rein, nos oreilles, nos yeux, en perdant notre temps. Où est-ce qu'on essaie de s'y diriger, frère? J'ai pris que vous consultez les gens qui sont dans ces choses-ci pour prendre un, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est tensiomètre ou bien quoi que ce soit pour mesurer ces choses-ci tout autour de cela. Vous voyez de quoi, quel effet ça va faire. Puisse l'esprit vous avertir avec ceci. Mais il y a une lunette déshabillante qui arrive. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok, donc bientôt on va commencer le jeûne pour le Cameroun. Je peux parler ce soir. J'ai dit que durant ces 21 jours de jeûne, prions pour le Cameroun. N'est-ce pas? Prions pour le Cameroun. Maintenant, priez pour le Cameroun durant ces 21 jours de jeûne comme si vous n'avez jamais prié. Parce que la nouvelle dont je parlais depuis est devant. Depuis des années ici, je ne sais pas quand ou mieux combien de fois, je vous avais dit après le conseil constitutionnel. Et quoi, n'est-ce pas? Vous savez qu'à l'heure où je me tiens maintenant, à 17h, le chef de l'État a donné le conseil constitutionnel, n'est-ce pas? Maintenant, je peux parler. Donc, plusieurs fois, j'avais dit après le conseil constitutionnel, plusieurs fois. Et quoi? Maintenant, je pose la question, donc quoi après ça? C'est terminé. Terminé, le lion peut aller se reposer. Oui, 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 oui. Prions pour le Cameroun. Que le Seigneur ferme le cœur à la violence, au cri de la violence, à l'appel au soulèvement. Maintenant, écoutez très attentivement ceci. Je ne sais pas comment vous pouvez prendre ceci. Vous savez, pendant qu'il est temps de venir, il roulait, il dit, Seigneur, comment il veut dire ces choses, il veut dire ces choses. Comme mon épouse est restée là, il dit, coucou. Il sent qu'il est temps qu'il dise la chose. Il dit que vas-y doucement. Je te connais. Donc, ma femme a dit, il va aller doucement. Vous savez que dans l'autre enseignement, dans ce soir, on a vu que le Saint-Esprit pouvait utiliser n'importe quel moyen pour parler. Elle a dit, vas-y doucement. Donc, je vais aller vraiment doucement. Donc, sois discret. Va être discret. J'ai vu un style de pluie à une époque du Cameroun que ça ne doit pas tomber de façon uniforme. J'ai vu un style de pluie sur le Cameroun dont ce n'est pas le nord, c'est pas normal. Donc, il y a une pluie anormale sur le Cameroun que j'ai vu de façon uniforme. Qu'est-ce que ceci veut dire?
après le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes le 5, ça? 7 février 2017, 2018. Et 17h à la radio, on a lu que le chef de l'État décrète article 1er et pour compter d'ici, si la Conseil constitutionnelle est sur place. Donc tous les organes sont là. Maintenant la question c'est, oui. Après donc, c'est quoi donc? C'est ça. Oui. Donc j'ai vu la pluie sur le Cameroun, la pluie. Je suis obligé de ne pas entrer dans certains détails. Vous savez, la dernière fois, j'avais parlé ici du fils du président qui devrait être assassiné, que j'ai vu les tentatives d'assassinat. Puis je vous ai dit que je me suis tourné dans... Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Parce que ça allait avec la même voix. Tu fais quand même garde de billes. Tu mets le gilet barba en plein assemblée. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma chère. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Ça va, mon garçon? Que le Seigneur te bénisse. Mais si tu ne veux pas me saluer, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tu n'as pas salué Madeleine. Si, si. Je n'ai pas salué Madeleine. Madeleine, salue-moi. Ça va? Vous savez, quand elle saluait, c'était maman Véro. Elle voulait là. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au soleil. Lumière de tu répands sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répands la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant. Viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être. Imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de
sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un portique d'adoration pour s'élever nos intimités, Seigneur. Ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.